Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous partons chez Carrefour avec Monsieur Gabriel. Nous allons lui acheter les fournitures scolaires. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais tester deux magasins. Donc, Clara, si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vous mets le lien en barre d'information. Nous sommes partis à Bureau-Vallée. Et là, pour Gabriel, nous allons chez Carrefour. Donc, en même temps, je vais regarder les prix. En même temps, je vais fermer la porte de la voiture. C'est parti, on y go! Alors là, je suis dans le coin des bonnes affaires chez Carrefour. C'est nouveau, je ne l'avais pas vu la dernière fois. Donc j'ai regardé un petit peu, vous avez vraiment des produits de petits prix. Mais bon, ce n'est pas de la qualité de fou non plus. C'est pas je sais que dans le Carrefour de Shell, vous avez plein de produits jusqu'à moins 70%, c'est des produits de marque, mais là, dans le Clessouilly, c'est pas comme ça, c'est autre chose. Vous avez de tout, mais c'est pas de la marque, hein. C'est des sous-marques. Et puis voilà, vous avez même de la nourriture pour pas cher, même dans le Cora, vous avez ce genre de rayon. Voilà, voilà, c'est un rayon à petit budget, on va dire. Donc là, j'ai regardé un petit peu. Voilà, vous avez de la bougie, vous avez pour l'apéritif. Voilà, c'est même des produits que vous pouvez retrouver chez Action. Là, vous avez les petites peluches là pour 1,49€, etc., etc. C'est à l'intérieur de Carrefour. Bon, allez, c'est parti. Monsieur Gabriel est en train de acheter ses fournitures scolaires. Moi, je vais vous montrer un peu le magasin. Comme ça, on regarde ensemble les prix. Donc là, pour 2,79€, vous avez 500 feuilles. Voilà, moi j'ai pris 300 feuilles, par contre le prix je ne me souviens plus, on fera la différence. Donc il y a 200 feuilles en plus. 2,69€ les protèges documents. Ah ici tu as un lot de classeurs pour 6,40€. Et tu en as combien? 1, 2, 3, 4. Non, lot de 3 pour 6,40€. Gabi, tu as acheté à combien un classeur? C'est là pour les 3, t'en as pour 6,40€. Ouais, t'as acheté à combien lui? €2,50. Ça c'est quoi, pochette perforée? Ah, c'est pas mal ça, regarde. Mais tu mets de l'intérieur les feuilles. Pour €2,50. Et là pour 2,50€, t'as le gros paquet. Et la qualité, bof. Hein. Non, ça c'est un autre. Alors ici, les ardois sont à 1,80€, 3,45€ les feutres, tu en as plus. Crayon de couleur 2,95€. Voilà. Et là les feutres sont à 2,90€. Et les plus grands 2,95€. Donc c'est plus avantageux d'acheter à 6,40€, tu en as 3 et ils sont plus épais. Ici, les pochettes sont à 4,60€ et tu en as 10. Tu as des classeurs pour 3,85€. C'est la marque Oxford. Ici, tu as des soldes de jouets. Cahiers pour 3,30€, tu as 5 cahiers, mais c'est pas plastifié. Et les plastifiés sont à 2,80€. Ça fait cher quand même. Ah, tu as 140 pages. 140 pages, 2,80€, c'est des grands cahiers plastifiés. Voilà, tu vois. Là, pour 1,80€, tu as 300 feuilles. Voilà, 300 feuilles pour 1,80€. Pour 1,69€, tu as les pochettes. Gabi, il faut ça, non? Voilà. Les chemises, mais j'ai pas de prix. Ici, c'est côté marque. Voilà. On t'a pris un répertoire, Gabriel. On va prendre quand même un lot de cahiers de brouillon. Et là, les petits cahiers sont à 80 centimes et ils sont plastifiés. Tu as des cahiers pour 70 centimes, mais c'est pas plastifié, c'est 96 pages. Voilà, pour 3,30€, tu as 300 feuilles de la marque Oxford. €1,50, 96 pages. Donc ici tu as les protèges cahiers, ils sont à 1,20€.
T'as 192 pages pour 3,60€, mais 192 pages. Ici, les stylos 4 couleurs sont à 1,25€. Voilà. Et l'écran à papier, je sais pas, pas de prix. Donc là, je viens de rencontrer une abonnée, elle s'appelle Virginie. Virginie, si tu passes par là, je te fais des gros gros bisous. J'étais trop contente de t'avoir rencontrée. Ça fait plaisir de vous voir à chaque fois. Donc là, je vous montre un petit peu les prix des règles. Donc Clara, elle a pris la marque Mapette. Ça, il est où? C'est celui-ci, me semble. Ouais, c'est celui-ci, mais en violet. Mais j'ai pas de prix. Voilà. Les stabilos. Voilà, vu que tu as les ardoises, tu as les prix des stabilos ici. Ça, c'est quoi? C'est des feutres. 1,40€. Si tu as les autres feutres, par contre, j'ai pas l'écran de couleur. Ouais, ils sont là. Tu as la marque Stabilo, sinon. Voilà. Ah ouais, là t'as les promos. Ok, il te donne 1,23€. C'est pour lequel? L'eau de 18 bic. Paire de ciseaux. Je sais pas, t'as plusieurs prix. Hein. Voilà. Je sais pas si Gabi a pris ses ciseaux. Et ici, t'as les feuilles de conson, les calques et tout. C'est un 2,20€ papier, dessin blanc et grain. Tout ce qui est peinture avec les pinceaux. Okay. Ah, là il a 3,25€. Fond de couleur. Ok. Bon, ici l'étudiant, je l'achète à 4,95€. Ici il a 6,95€. Bon, ça va 2€ au moins. Tu as des stabilos pour 5,20€. Les stylos pour 3,80€, mais tu en as 27, ça va. Hein, 27 stylos. Bon, c'est tout ce qui est taille crayon. T'as les gommes. Il a 95 centimes. Je vais reprendre un pour la réserve. Crayon papier, 75 centimes. Ici, avec la gomme, 1,10€. Hop, on va prendre ça. Même pour 1,06€. C'est quoi la différence? C'est les mêmes. Hein. Mais le prix est pas pareil. Bizarre. Ok. Si tu as des feutres et tout. Voilà. Tu as les stylos. J'aime trop écrire avec ces stylos. C'est à 3,90€. Ils sont à 2,45€. Pas mal. Hein. Là, pour 3,35€, tu as les trois. Tiplex, correcteur. Les trousses pour 5,99€, c'est un peu cher, ma foi. Au pire, vous prenez vos anciennes trousses. Hein. Celui-ci, il a 3,99€. Il est petit. Tu en as à 2,99€. Voilà. Bon, t'as le choix en trousse. Cartouche aussi d'encre. Les calculatrices. Pour nous, ça va, on a la calculatrice achetée chez Cora pendant les soldes. Donc, ça va encore. Et c'est à la colle premier prix. D'accord. Moi j'ai acheté chez Noz. Ah regarde, il a 3,75€. Ça va encore, c'est une promo. Stitch, ouais, c'est ça. Hein. 3,75€, ça va. T'as un col Cléopâtre là, t'as de la glu, t'as du scotch, pâte à fixe, post-it, t'as les étiquettes. Voilà. Tu en as chez Action aussi. Hein.
Hop, ah, ici t'as les blouses et tout. Ah. Sur la peinture. Clavier souris. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis bien rentrée avec monsieur Gabriel. Nous allons vous présenter les fournitures scolaires. C'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, on a fait deux enseignes différentes pour voir la différence de prix. Donc Bureau Vallée, vous avez quelques produits qui sont moins chers. Chez Carrefour, c'est pareil. En fait, il faut vraiment chercher. Si vous voulez faire plusieurs enseignes, faites-les pour bien économiser. Alors, pourquoi moi, je regarde à chaque fois les prix? Car nous n'avons pas que les fournitures scolaires à acheter. Nous avons aussi les livres, les cahiers, les livres d'exercice, c'est ça? Oui. J'ai tout ça à acheter aussi. Ce n'est pas l'école qui fournit, car mes enfants ne sont pas dans une école publique. Voilà, c'est pour ça, chaque année, on est là à faire attention par rapport aux fournitures scolaires, car les livres me reviennent très très cher. En plus, ça ne s'arrête pas qu'aux livres, ça s'arrête aussi, enfin, ça continue avec les vêtements, les baskets. Ensuite, il y a le sport de la rentrée, donc ça fait vraiment un gros budget. Donc, c'est pour ça que je fais attention par rapport. Bon, il faut que j'achète de la bonne qualité, j'achète pas quand même de la mauvaise qualité. Il faut que j'achète de la bonne qualité pour que ça puisse durer très très longtemps aussi, mais par rapport au prix. Tous les magasins mettent les prix qu'ils veulent, donc moi j'aime bien acheter le moins cher, mais de la bonne qualité, je précise. Voilà, bon, c'est parti, j'ai fait une petite parenthèse car je sais qu'en commentaire vous allez dire « Ah, vous regardez beaucoup les prix, ou sinon ils n'ont pas le droit d'acheter tout ce qu'ils ont envie », mais en fait non, hein, c'est ils achètent ce qu'ils veulent, mais il faut qu'on regarde par rapport au prix si c'est moins cher ou plus cher. Bon bref, vous m'avez compris, allez c'est parti, la combien? Il est en promotion, donc prix de base 3,20€, moins 80 centimes. Voilà, lui ici il a besoin pour, c'est ça? Oui. Mettre un cran en papier. C'est de la marque Mapette. T'as une gomme aussi. En espérant qu'il va pas se casser, car les compas se cassent très très vite. Ensuite, t'as fait quoi? Un cahier d'exercice pour l'anglais. Voilà, pour l'anglais, cahier d'exercice. Il est à 80 centimes, je crois, ou 90 centimes. Une paire de ciseaux pour tout ce qui est découpé du papier, etc. Voilà, ça a été à 3,15€. Voilà, de la marque Bic, ça va? Un autre cahier, mais d'une différente couleur pour le français. Voilà. Donc, c'est un prix en plastique, hein, comme ouais. D'hab. Et quand on n'achète pas de protège-cahier. Des tubes de colle. Donc, ils étaient en promotion, c'est moi qui les ai choisis. En plus, c'est Pokémon, non? Oui, pour les petits, si. Ouais, 3,75€, tout ça. Donc, ça revient au même prix que chez Nose. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo Bureau Vallée et on vous montre les fournitures scolaires que j'ai achetées tout au long de l'année. Une boîte de feutres. Voilà, il nous manquait les feutres pour Clara et Gabriel. Donc, on en a pris deux, c'est ça? Oui. Tu me donnes la deuxième? Thank you. Comme ça, ils voient bien qu'on a acheté deux. De feutre. Ah, ils étaient à 1,75€. Ah, ils ont baissé alors. Ouais, parce que quand je vous ai filmé, il était pas à 1,75€, hein. Il était vers 2,80€. Ouais, comment ça se fait? Donc ça veut dire que c'était les autres. Bon, bref, on en a eu pour 3,50€ les deux. Ça va. Ça va, hein. 3,50€, c'est le prix, mais plus grand. Ouais, 3,50€, c'était le plus grand. Ensuite. Un cahier pour l'EPS, pour les cours aux marquises. Mais il est tout fin celui-là, c'est pas grave. 48 pages. De toute façon, il y a plein de cahiers, il dit 96 pages, mais j'utilise même pas la moitié. D'accord. Ensuite. Un autre cahier de brouillon. Voilà. Pour les exercices. Des crayons à papier. Donc ça, il était à 1,20€, je crois. 1,06€, pardon. Une paire de gommes. 95 centimes. Ça, t'as vu, t'avais même pas pris tout ça, pourquoi? C'est moi qui les ai pris, hein. Il avait pas pris les ciseaux, les gommes, crayons à papier. Papier à dessin. Voilà, donc on a pris plusieurs parce que quand ils font une erreur, ça c'est couleur, quand ils font une erreur en moins, on en a en stock. Voilà, on a pris en tout 4 paquets. Voilà. Ensuite. Des intercalaires. Donc celui-là c'est en plastique, comme ça, ça va durer pour les autres années, car en carton, ça se déchire très rapidement. Voilà. Il y a une différence de près de 40 centimes. Voilà. Donc celui-là est à combien? 1,40€ et pour le papier 1,80€. C'est pas en plastique 1,80€? Hein, non, en plastique c'est 1,40€. D'accord, 1,40€. Donc là on a pris les pochettes pour les classeurs.
Voilà. Un classeur de maths pour Clara. Voilà, mathématiques. Elle n'avait pas de classeur comme ça. Elle nous a appelé pour nous le dire. Même si je sais qu'ils ont plein de classeurs dans leur chambre, mais il faut que je vérifie. C'est pas grave. Ça, c'est un peu... Encore des pochettes. Enfin, des feuilles. Ah oui, ça pour 6,20€, je crois. 6,40€. Gaby, il a acheté 3 classeurs souples, c'est ça? Ouais, pour les maths, français, SVT, techno. Voilà, en plus il est épais. Et le dernier. Ah oui, des feuilles à petits carreaux. Et pour terminer, on a pris. C'est quoi? Un lot de 500 pages de feuilles à petits carreaux. Franchement, on a galéré. En plus, c'est copie double. J'ai pas trouvé les simples, feuilles simples. Le sac à dos, on a les sacs à dos, donc ça on vous montrera la prochaine fois. J'avais acheté pendant les soldes d'hiver chez Auchan. Auchan sur internet, des sacs à dos pour 2€, 3€, et c'est de la marque. Si je vous ai pas dit les prix, on vous mettra les prix juste à côté. Donc encore, on voudrait passer un bonjour à Virginie qu'on a vu tout à l'heure. Franchement, ça fait plaisir de vous voir, hein, même si voilà, j'étais en train de speeder avec monsieur Gabi. Bon, même si vous voyez que je hausse la voix ou quoi, vous venez quand même me voir, hein. Vous me faites un coucou, hein, parce que faire les courses avec les gosses, hein. Alors pourquoi on a fait les courses séparément? Donc là, j'ai fait que avec Gabriel parce que on n'est pas concentré avec les autres enfants. Donc là, au moins, on sait, on sait qu'est-ce qu'on doit acheter et puis on passe un petit moment entre mère et fils. Ça fait des courses, quoi. Voilà. Mais il est fatigué, le petit, là. T'es en train de dormir? Non, pas du tout, je pète la forme. Ouais, c'est pour ça que t'es en train de bailler depuis tout à l'heure? Mais non. Mais non. Je suis pas comme ça. On a du ménage à faire encore. Oh, elle a pas fait de ménage l'autre. Non, je rigole, il est 4h, il est 16h. Je suis fatiguée, en plus, voilà quoi. Il est 16h, j'ai encore plein de choses à faire. Bon, bref. Bon, on vous souhaite une très très bonne rentrée des classes si vous regardez cette vidéo vers fin août, début septembre. Si vous regardez cette vidéo au mois de juillet, ben, bonnes vacances. J'espère que vous avez fait vos courses de fourniture scolaire si vous partez en vacances au mois d'août. Et comme ça, quand vous rentrez, vous êtes tranquille. Et pour les non-vaccinés, voilà, au moins, vous êtes tranquille par rapport à ça aussi. Gabriel, as-tu quelque chose à dire? Tu passes en quelle classe? En troisième. Voilà, ça va, tu stresses pas trop? Non, c'est le lycée qui me fait peur. Le lycée. Donc, si vous avez des conseils pour le lycée... On attend les commentaires, mais bon, la troisième va bien se passer. Donc, t'as encore un an, t'inquiète pas. Hein. Tu vas bien mûrir, donc ça va aller. Je te fais confiance. C'est Gabriel. Bon, voilà, je vous fais des gros bisous, les amis. On vous fait des gros bisous, Gabi. Au revoir. Bisous, bisous. Ciao, ciao. On n'oublie pas le petit pouce. Le. Merci. Ciao. Il est motivé, ce petit, c'est pas possible. Hein. Allez, ciao. Salut.